Sur les 1050 élèves du lycée Saint-Paul IV, 300 sont dans la dernière ligne droite avant le bac. Plus que 30 jours à mettre à profit pour raffiner ses connaissances. Je pense que le plus important, c'est faire des plannings, hein, prendre chaque jour, mettre des objectifs à réaliser, etc. Il faut faire au fur et à mesure, parce que sinon, on ne peut pas y arriver, quoi. Ouais, psychologiquement, c'est un peu compliqué à tenir, mais il y a vraiment un stress qui monte de jour en jour, mais ça va, on tient le coup. C'est vrai qu'on n'y a pas trop pensé durant l'année, mais là, ça se rapproche à grands pas. Donc pareil, les révisions ont commencé pendant ces vacances. Il y avait le lycée qui a organisé une école ouverte pendant ces vacances-là, donc on a essayé d'y aller. Les professeurs étaient à disposition, donc voilà. C'est vrai que là, le stress commence à monter un petit peu, mais on essaye de pas trop y penser. Les 96% de réussite au bac général l'année dernière ne sont pas le fait du hasard. Le proviseur et son équipe font tout pour accompagner au mieux les élèves. Ça vient aussi de propositions, d'ateliers ou d'ateliers de remise à niveau, d'ateliers de préparation aux épreuves. C'est aussi, par exemple, l'organisation d'épreuves blanches comme il y a là actuellement aujourd'hui et toute la semaine sur les épreuves anticipées du bac français. Pour apprendre à gérer le stress, un atelier de sophrologie méditation sera mis en place. L'objectif de l'établissement cette année, obtenir plus de mentions au bac général et atteindre les 90% de réussite au bac technologique.